tout le monde, c'est Vince. Et oui, nous allons faire ce qu'on peut appeler un ultime test sur le jeu GQ World Soccer 3 sur N64. Alors, vous vous souvenez, j'ai déjà fait 7 tests sur ce jeu, mais en réfléchissant, je vais peut-être en faire un tout petit dernier, enfin, tout petit dernier test sur ce jeu. Puis après, c'est tout. Après, ça sera tout. Il n'y aura pas d'autres, il n'y aura pas de 9e, ni 10e, ni rien du tout. Non, non, j'ai envie de me faire un petit dernier et qui plus est un ultime dernier. Bon, alors, et bien évidemment, comme vous l'avez compris, il s'agit d'un petit jeu de foot des familles, franchement. Mais franchement, ça va. Le jeu, franchement, il était assez bien. Il est classe, il est assez potable. Ça va, franchement. Ça m'étonne pas que j'avais envie de faire un tout petit dernier. Bon, évidemment, j'avais oublié de dire que si vous voulez tester ce jeu, il y a plusieurs modes. Il y a les modes qualification, les modes match amicaux, etc., etc. Voilà, bon, écoutez, on va prendre l'équipe de France et on va prendre quoi? Oh là là là, c'est fou à quel point il n'y a pas grand-chose. Ouais, il y a pas grand-chose, hein. Non, écoutez, vous savez quoi? On va pas prendre. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre sérieux? Oh là là, c'est. Ok, d'accord. Attends. Vous savez quoi? On va refaire. On va refaire un autre petit. Excusez-moi. J'ai un peu perdu l'habitude. Je suis désolé. Hein. Non, parce que là, pour l'instant, on a mis ce qu'on peut appeler. Voilà, je vous ai montré que du rab. Bah tiens, on va prendre. Oui, tiens. L'Arabie Saoudite opposé à qui? L'ennui avec ce jeu, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. Franchement, il n'y a pas grand-chose du tout. Ça, c'est un petit peu désespérant. Bon, attendez. Mince, pourquoi je reviens sur l'écran titre? Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oh là 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 là. Ouais, comme je viens de le dire, le jeu, franchement, il est bien, mais franchement, mais niveau équipe, il n'y a pas grand-chose. Hein, franchement, il n'y a pas grand-chose. Je préfère entendre International Superstar Soccer 2000. Hein, franchement, il est bien. Enfin, il y a tout. Ok, je vais pas mettre la Russie parce qu'ils sont. Comment ça s'appelle? Ils sont suspendus. Bon, ça, c'est que vous voyez, ça va à l'encontre de l'équipe de l'Europe de l'Est. Alors, du sud. Oh là 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 là. C'est fou à quel point il n'y a pas grand chose, sérieux. Oh. Bon, bah, écoutez, vous savez quoi? On va se faire un petit match. Allez, un petit match 100% américain. Allez, entre les États-Unis et le Canada. Voilà. Après, basta. Hein. Voilà, ce sera un petit match. Un petit match des familles. Voilà. Et après, on va pas non plus. Attends. Attends une minute. Est-ce qu'il y a un stade. Ah non, visiblement, il n'y a pas d'autres stades européens. Il n'y a que le stade visiblement sud-américain. Mais pas nord-américain. Bon, tant pis. Bon, écoutez. Bon, ce sera un match 100% américain entre le Canada et les États-Unis. J'en profite également pour faire une dédicace à tous mes fans canadiens et américains aussi. Bon. Mais sinon, ça va, franchement, le jeu il est assez classe. Bon, ok, c'est un jeu japonais qui est une version originale du jeu International Superstar Soccer 64. Mais ça va, franchement, il a la classe. Franchement, il a une super classe. Il a une très grande classe. Je vais pas vous mentir. Allez! Voilà, ce sera le huitième et dernier test sur ce jeu. Puis après, on passera à autre chose, hein. Non, parce que c'est moi, j'ai fait. Je pense que j'en ai fait déjà 7 vidéos là-dessus, plus Céleste qui fait au total de 8. Je pense que vous devez être gavé, je crois. Mais bon. Attention, attention, oh là 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 là, attention, attention, parce que là pour l'instant, ce sont les Américains qui ont le ballon. Et c'est un corner. Et on dit. Non, au quart de tour. Parce que là, ce sont les Américains qui. Alors les Américains qui jouent en blanc à rayures bleues, face à eux, leurs voisins canadiens qui jouent en blanc et rouge. Et vous l'aurez compris, il s'agit d'un petit derby de l'Amérique du Nord. Bon, après on s'en fout
si y a un vainqueur ou un vaincu. Ouais, t'es sûr, parce que là pour l'instant, là, ce sont les Canadiens qui ont le ballon. J'ai entendu parler de certains joueurs professionnels américains, mais les joueurs canadiens, j'en connais pas beaucoup. Les seuls que j'ai connus, c'est. Attendez, si je dis pas, si je dis pas d'annerie, c'est. Attendez, je crois qu'il y a Ranzinski, Pechisolido, Yalop. Bon, ça. Bon, sinon, ça va, le jeu est bien, il est assez fluide, ça va, il est classe. Enfin, pour vraiment être un véritable fan hardcore de jeux de chez GQ World Soccer ou International Superstar Soccer, hein, pour pouvoir y jouer. Hein. Après, peu importe si vous n'êtes pas un grand fan de foot. Bon, je comprends ça au montage. Allez, on continue. Pour l'instant, 0-0 entre les États-Unis et le Canada. Dans ce duel 100% nord-américain. Hey. Oh, et faute canadienne. Bon, alors. Ah oui, comme je viens de vous le dire, si vous voyez comment dirais-je, des textes en japonais, des noms en écriture traditionnelle japonaise, c'est que c'est un jeu japonais. Donc, veuillez m'excuser si je ne parle pas un seul mot en japonais. Bon, écoutez, c'est pas grave. Enfin, après, si le jeu est loin d'être aussi fameux, et si vous ne comprenez pas un seul mot en japonais, bah j'en suis désolé. Enfin, j'espère, si vous regardez cette vidéo, que vous comprenez un seul mot en japonais. Parce que là, pour l'instant, les Kenyans se font un petit peu peur. Bon, alors, par contre, j'ai aucune idée où est-ce qu'on est. Bon, je sais qu'on est dans un terrain sud-américain, mais bon, on n'a qu'à sous-entendre que nous sommes en Amérique du Nord. On n'a qu'à dire qu'on est à New York. Et on continue. Passe de Donovan. Allez, on continue, continue. Il passe. Ouh, joli, joli, joli. Ouh, ok. Fonce dans le tas, hein. Fonce dans le tas, les gens, hein. Allez. Ouais. Et on continue. Ouh, faute américaine. Faute de Smith. On va l'appeler Smith. Et coup franc pour les Canadiens. Tir qui va être effectué par Garrison. Voilà. On va l'appeler Garrison. Voilà. Elle a à voir avec le prof de South Park. Alors. Oh, c'était bien tenté. Et là, pour l'instant, ce sont les Américains qui se font un petit peu surprendre. D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais cité un jeu de chez GQ World Soccer. Il existe un en version Coupe du Monde 98. Je dirais voir si je peux le tester. Bon, je sais que ça vaut pas mieux le fameux Coupe du Monde 98 que j'ai déjà testé sur N64, édité par eSport. Mais bon, on va voir si on peut le tester aussi, pourquoi pas. Oh, il y a encore une faute américaine. Ah. Un chevelu barbu, donc je me demande si c'est pas Alexis Lalas. Nouveau coup franc pour les Canadiens. Effectué. Est-ce que. Oh, ouh, joli! Joli! Joli arrêt du gardien. Allez. Wheeler. Lalas. Wheeler. Ah, parce que ce sont les Canadiens qui ont de nouveau le ballon. Attention, Razinski! Oh, attention, c'est pas fini! C'est pas fini! Et c'est et ouverture du score des Canadiens. Eh ben, franchement, bah, GG au numéro 10. Bon, j'ai aucune idée de qui c'est, étant donné que c'est en japonais traditionnel. Bon, écoutez, on n'a qu'à s'entendre que celui qui vient de marquer et qui puisait ouvrir le score, on n'a qu'à s'entendre que c'est Pechisolido. Voilà, Pechisolido. Et c'est parti! Ouh, joli arrêt de la défense.
C'est pas fini, Razinski, péché solido, péché solido, et c'est le but. Et 2-0 pour les Canadiens avant la fin de cette première mi-temps. Eh ben GG. Alors je pense que ça va être le numéro. Je pense que ça va être celui qui a ouvert le score tout à l'heure. Et là c'est le deuxième but canadien. Un peu de courage. Après on va se souffler un petit peu pendant les vestiaires. Et ensuite on reprendra pendant la deuxième mi-temps. Allez, on continue, mesdames et messieurs. Wilson. Donovan. Oh, attention, il passe à Vinalda. Repris une nouvelle fois par les Cardinals. Cardinal. Simpson. Simpson. Il passe à Yalop. Radinsky. Radinsky! Et encore un autre arrêt magistral du gardien. Alors que l'arbitre va pas tarder à siffler la fin de la première mi-temps. Repris une nouvelle fois par les Américains. Allez, on tente tout, on tente tout. Et c'est justement la fin donc de cette première mi-temps. Eh ben pour un ultime et dernier test sur ce jeu, franchement, ça va. On est gâté. Franchement, on est très très gâté. Non, franchement, le jeu est bien. Franchement, le jeu est classe. Franchement, il est bien. Franchement, une fois qu'on y joue, on s'en passe plus. C'est réciproque. Voilà, les Canadiens mènent au score 2 à 0. On se sépare un petit moment pour une petite page de pub. Et on se retrouve tout de suite pour la deuxième mi-temps de ce match. Ici, New York, aux États-Unis. À vous, Paris. Nous sommes de retour ici au stade de New York pour suivre la deuxième mi-temps de ce match passionnant opposant l'équipe des États-Unis à celle du Canada. Et pour l'instant, c'est les Canadiens qui mènent au score 2 à 0. Attention! Ouh là 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 là! Et premier corner pour les Américains. Visiblement, ils n'ont pas vraiment digéré les deux buts encaissés pendant la première. Passe du numéro 3, repris par le numéro 9. Attention, Vinalda, ouh! Oh là là, j'ai l'impression qu'il s'est pris le ballon en pleine poire. Allez, allez, oui, parfait. Allez, Yalop, Cardinal, Cardinal. Là, c'est Radzinski. Et qui passe, Radzinski. Repris une nouvelle fois par les Américains. Bon, sinon, oui, je l'ai dit, bon, je l'ai dit l'autre fois, les graphismes de ce jeu sont assez corrects. Ça va, c'est bien, c'est très potable. Allez, c'est parfait. Attention, attention, parce que là pour l'instant, là, les Américains ont chippé le ballon. Oui, c'est parfait, il n'y a pas hors-jeu. Ouh, joli, c'est pas fini. Et c'est le but. Et retournement de situation, mesdames et messieurs, les Américains viennent de marquer un premier but. Ce qui leur permettra de reprendre un petit peu courage. Allez. Ah, belle tentative. Donc, ce qu'il faut au total pour 2 pour le Canada et 1 pour les États-Unis. Ah, mine de rien, il peut y avoir match nul hein, si les Américains parviennent à égaliser. C'est possible naturellement, hein.
Allez, on continue de passer. C'est des coups! Oh là 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 là. J'ai cru qu'il allait marquer celui-là. Ah, les Canadiens qui préfèrent conserver un petit peu l'avantage. Toujours 2 buts à 1 pour les Canadiens. Ouais, on continue. Radinski surpris par Wilson. Parker. Lalas, pardon. Voilà, repris une nouvelle fois par les Américains. Agos. Agos. Summers. Qui passe à Donovan. 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 Ah, ouais, mince. Ils se sont fait surprendre. Allez. Et on s'approche déjà à la fin de cette deuxième mi-temps. Attention! Que je viens de vous dire, les Américains peuvent encore égaliser s'ils arrivent à bousculer. Attention! Non, c'est pas fini! Oh là là! Attendez, c'est pas fini. Encore une chance. Encore une dernière chance. Encore une dernière chance! Manqué! Alors qu'on s'approche à quelques minutes de la fin de cette deuxième mi-temps. Et non, ça ne suffira pas. Le ballon est de nouveau pour les Américains. Mais les Canadiens résistent. Ah, c'est vraiment ce qu'on peut appeler mais un excellent derby. Alors qu'il y a une nouvelle faute du côté canadien. Alors que j'ai l'impression qu'il va y avoir un espèce de petit changement. Côté canadien cette fois. Alors, qu'est-ce que ça va être cette fois? Bon, ok, c'est le numéro 10 côté canadien qui remplace le numéro 15. Ok, bon, ce sera le dernier changement avant la fin de ce match. Et qui plus est la fin de ce test. Oh, j'aurais préféré qu'il tire directement, mais bon. Ok, c'est parti, c'est allez. Morris. Morris. Saint-Marc. Cardinal. Ouais, qui passe à Pesci Solido. Allez, on essaie de. Allez, hein. Allez, petit tour et c'est terminé. Et c'est justement terminé. Eh ben, victoire. Belle victoire donc des Canadiens qui remportent ce qu'on peut appeler ce derby de l'Amérique du Nord. Face à des Américains qui ont tout tenté. Eh ben, GG aux Canadiens. Franchement, ils méritaient vraiment la victoire. Et ça sera le huitième et dernier test sur ce jeu. Voilà donc, mesdames et messieurs, donc victoire du Canada face aux États-Unis, 2 buts à 1. Un match un petit peu étriqué, certes, mais qui en valait mais vraiment la peine. Surtout, il valait vraiment la peine d'être testé une ultime fois. Bon, en moi, franchement, ce jeu vaut du rêve. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'était donc le huitième et dernier test, équipé ultime test sur le jeu GQ World Soccer 3 sur N64, sorti aux alentours de l'année 1998-99 sur N64. Voilà, c'était le huitième et ultime dernier test sur ce jeu. Voilà, après, ce sera tout pour l'instant. Comme ça, bon, c'était le dernier, certes. Et comme ça, on passera à autre chose. J'essaierai de voir si je peux, comment dirais-je, vous en proposer d'autres, mais dans un autre format. Mais je pense qu'on a quasiment fait tout le tour du jeu. Voilà donc, j'espère que ça vous a plu. C'est oui, comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut et rendez-vous pour de prochains tests ainsi que de prochains matchs. Ici New York, aux États-Unis, à vos paris. Oh, et puis tant j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à tous mes fans.